Pour cette recette, il va nous falloir 260 g de farine, 400 g de lait, 80 g de beurre fondu, un demi-sachet de levure chimique, 30 g de sucre, 3 œufs et une pincée de sel. Je commence par tamiser la farine avec la moitié du sachet de levure chimique. On y met le sucre, les œufs et une partie du lait. Avec le fouet, on commence par mélanger. On met donc la pincée de sel et progressivement, on va ajouter le lait. Et là, on mélange comme il faut. Donc là, je viens de mettre la dernière partie de mon lait. Je mélange et je verse le beurre fondu. On va laisser notre pâte reposer environ 30 minutes. On va commencer la cuisson des gaufres. Alors, moi j'ai un gaufrier donc en forme de cœur. Alors, l'idéal, ça va être donc de remplir donc les empreintes, mais aux 2 tiers. Je vais faire un test aux 2 tiers. Et je vais utiliser donc des bâtonnets pour faire une sorte de sucette de gaufre géante. Allez, je referme le gaufrier. Il y en a à peu près pour 2 minutes de cuisson. Les gaufres sont cuites, elles sont magnifiques. Voilà, je vous les montre de près. Je vais poursuivre donc la cuisson de mes gaufres et on se retrouve tout de suite. Alors maintenant, on va goûter cette petite merveille. Miam miam. Alors j'ai juste une chose à dire, si vous allez à la fête foraine, faites vos gaufres à la maison et amenez-les avec vous. Vous allez voir, c'est exactement la même chose.